toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Apprendre, Estudar en casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français de la 10e année. Avant de commencer notre cours, je voulais te rappeler les conseils sanitaires de sécurité. Porte toujours ton masque, lave-toi les mains et garde la distance en public. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à indiquer les lieux en utilisant les pronoms « en » et « i ». Pour ce cours, tu vas utiliser ta fiche apprenant avec le même titre. On commence notre cours. Activité 1, lis le texte, puis réponds aux questions. Tu te rappelles de ce texte, France Miniature? On l'a lu le cours précédent, n'est-ce pas? Allons-y. France Miniature. Située près de Paris, France Miniature vous invite à découvrir un site unique et fantastique. Vous y entrerez et comme par magie, vous pourrez faire le tour de la France en quelques heures seulement. En effet, les monuments les plus célèbres de France y sont représentés en miniature. La Tour Eiffel, le pont du Gard, les châteaux de la Loire, le Mont Saint-Michel, le théâtre d'Orange et même le Stade de France. Une attraction inoubliable. Vous en repartirez enchanté après avoir vu plus de 140 monuments, 150 paysages de France reconstitués, ainsi que 60 000 personnages. Ce site magique se trouve dans la région parisienne, à Élancourt, à 10 km du château de Versailles. Bonne promenade en famille ou entre amis dans le plus grand parc miniature d'Europe. Tu as suivi la lecture? Magnifique. Maintenant, on va répondre à quelques questions. Première question. A. Trouve dans le texte les mots équivalents. Première phrase. Vous entrerez sur ce site. Et comme par magie, vous pourrez faire le tour de France en quelques heures. Deuxième phrase. Les monuments les plus célèbres de France sont représentés sur ce site. Et finalement, vous repartirez du site enchanté. Vas-y, relis le texte et trouve les mots équivalents. À toi de jouer. Je sais que tu as pu faire ton travail. On corrige ensemble? Allons-y. Vous entrerez sur ce site. Donc, l'équivalent, c'est « vous y entrerez ».
Et la prochaine phrase, les monuments les plus célèbres de France sont représentés sur ce site. Donc, cela correspond, les monuments les plus célèbres y sont représentés. Vous repartirez du site enchanté, donc vous en repartirez enchanté. Magnifique, je sais que tu as pu trouver ces phrases. On continue. B. Dis pour chaque phrase s'il s'agit du lieu où l'on est, ou du lieu où l'on va, ou alors du lieu d'où l'on vient, ou alors du lieu d'où l'on part. On y va, on va lire les phrases. Première phrase, vous entrerez sur ce site et comme par magie, vous pourrez faire le tour de France. Vous y entrerez. Troisième phrase, les monuments les plus célèbres de France sont représentés sur ce site. Ensuite, les monuments les plus célèbres y sont représentés. Vous repartirez du site enchanté. Dernière phrase, vous en repartirez enchanté. Tu vas relire ces phrases et tu vas faire ton exercice. À toi. Tu as réussi à trouver les phrases qui correspondent au lieu où on est, où l'on va, ou alors d'où l'on part? Oui, on y va, on corrige. Des phrases qui indiquent le lieu où l'on est ou où l'on va. Vous entrerez sur ce site et comme par magie, vous pourrez faire le tour de France. Donc, vous entrerez sur le lieu où on va. Vous y entrerez. Les monuments les plus célèbres de France sont représentés sur ce site. Donc, ici, c'est le lieu où on est. Les monuments les plus célèbres y sont représentés. Les lieux d'où l'on vient ou d'où l'on part, on a les phrases « Vous repartirez du site enchanté » et « Cela correspond, vous en repartirez enchanté. » Tu l'as fait comme ça? Magnifique. On passe à l'activité suivante. C. Complète le tableau avec « en » et « i ». Ici, tu as un tableau qui te dit, pour remplacer le lieu où l'on est ou où l'on va, vous allez compléter les phrases avec « en » ou « i ». À vous de voir. Et de l'autre côté, d'où l'on vient, d'où l'on part.
Prends le temps de lire ces phrases et complète avec un ou i. À toi de jouer. Tu as pu réaliser cette tâche? C'était très facile, non? On y va, on corrige. Dans ce collège, j'y suis depuis la sixième. Au Futuroscope, on y va ce week-end. Donc ici, les deux phrases montrent soit le lieu où on est ou alors le lieu où on va. De l'autre côté, pour montrer le lieu d'où l'on vient ou bien d'où l'on part, on a la phrase « Tu veux rentrer dans ce magasin ?» Mais on en sort. Donc, on vient de sortir de ce magasin. On continue. D associe. 1. On peut voir des personnages déguisés dans les rues. 2. On peut visiter la chambre du roi Louis XIV. 3. On peut y admirer un chef-d'œuvre de l'architecture romaine. De l'autre côté, tu as A, au château de Versailles, B, à Orange, C, au carnaval de Dunkerque. Vas-y, fais la bonne association.
Tu as pu faire les bonnes associations? Certainement que oui, on corrige. On peut voir des personnages déguisés dans les rues au carnaval de Dunkerque, c'est ça. On peut visiter la chambre du roi Louis XIV au château de Versailles. Et finalement, on peut y admirer un chef-d'œuvre de l'architecture romaine à Orange. Bien joué. On continue. Les pronoms « on » et « i », complément de « lieu ». Pour remplacer le lieu où l'on est ou alors le lieu où l'on va, on va utiliser le pronom complément « i ». Exemple, « je ne suis pas sur cette photo ». Donc, on veut dire qu'on n'est pas à cet endroit-là, on n'est pas sur cette photo. Alors, on va dire « je n'y suis pas ». Une autre phrase, « je vais en France tous les étés ». Cela correspond à « j'y vais tous les étés ». Cela montre le lieu où on va, n'est-ce pas? Maintenant, pour remplacer le lieu d'où l'on part ou le lieu d'où l'on vient, on va utiliser le pronom complément « en ». Par exemple, « on repart enchanté du Futuroscope ». Cela veut dire qu'on est en train de sortir, on sort du Futuroscope enchanté. Donc, cela correspond à « on en repart enchanté ». On vient de France Miniature. Là, on veut montrer le lieu d'où l'on vient. Alors, cette phrase correspond à « on en vient ». Tu as compris? Maintenant, au lieu de répéter les lieux où tu es, d'où tu viens, n'est-ce pas? Tu vas utiliser les pronoms compléments « en » ou « i ». On continue. « En » remplace un complément introduit par la proposition « de », « du », « de la », « de l'apostrophe », « des ». Moïsej revient de l'école. Moïsej en revient. Isaïe sort du cinéma. Isaïe en sort. I remplace un complément introduit par la proposition à, au, à la, sur, en, dans, chez, etc. Exemple. Ils pensent à leurs exercices. Ils y pensent. Prochain exemple, Adilson pense au film d'hier. Adilson y pense. Et finalement, Maudit va en Tunisie. Maudit y va. Maintenant, tu sais comment remplacer un complément de lieu par un pronom complément? Magnifique. On va faire un exercice. Dans ce premier exercice, tu vas remplacer le complément de lieu par le pronom complément « i ». Voyons le premier exemple. Vous allez à la fac? Oui, j'y vais. Maintenant, tu vas continuer. Vas-y, à toi. Tu as réalisé cet exercice? Ça, c'était très facile pour toi. On y va, on corrige. A. Elle est dans le jardin? Oui, elle y est. B. Tu passes à la poste? Oui, j'y passe. C. Vous arrivez au Louvre? Oui, nous y arrivons. D. Vous entrez dans ce musée? Oui, on y entre. Magnifique. On passe à l'activité suivante. 2. Complète les phrases avec les pronoms « i » ou « en ». Maintenant, tu vas te rappeler de la règle, n'est-ce pas? Et tu vas remplacer
le complément de lieu par le pronom « en » ou « i ». À toi de jouer. Je compte sur toi. Tu as réussi à faire cet exercice? Magnifique. Corrigeons. A. Nous allons en France. Nous y avons de la famille et nous en profitons bien. B. À Paris, nous visitons des musées. J'en connais déjà beaucoup. C. Nous restons souvent à Paris. Nous nous y déplaçons en métro ou en RER. D. Nous aimons aller sur les Champs-Élysées car on peut y voir des gens très différents. E. On peut faire des courses sur les Champs-Élysées. On y trouve aussi des magasins très intéressants. F. Et votre excursion en Auvergne? Vous en revenez content? Magnifique! Je sais que tu as tout fait et correctement. Pour le devoir d'aujourd'hui, tu as des devinettes. Remets les devinettes dans l'ordre et imagine la réponse. J'ai commencé à répondre à la première. A. On y va pour apprendre. Où est-ce qu'on va pour apprendre? À l'école ou alors au collège. À toi de continuer. Dans ce cours, tu as appris à parler des lieux où on est, où l'on va, ou bien d'où l'on vient en utilisant le pronom complément « en » ou « i ». Nous sommes arrivés à la fin de notre cours de français du programme « Aprender a sudar en casa ». Ça a été un très grand plaisir. À bientôt !